point mort. Accélération fonctionnelle. Et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes sur Euro Truck Simulator 2. Alors déjà, laissez-moi vous présenter mon petit camtar. Parce que oui, on a changé. Je suis parti sur un petit Mercedes. Un petit Mercedes plutôt bien sympa, comme vous pouvez le voir. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il avait un GPS intégré à l'intérieur. Il y a très certainement d'autres marques de camions qui ont des GPS intégrés à l'intérieur. Mais franchement, le petit Mercos, il a de la gueule. Moi, il me plaisait bien. Et tout d'abord, les gars, les filles, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, laissez-moi vous remercier pour la dernière, justement. Puisque j'ai vu que la dernière vidéo sur Euro Truck Simulator 2, eh bien, c'est la vidéo qui vous a le plus plu ces derniers temps. Moi, ça me fait super plaisir. Alors, on n'a pas atteint les 1500 likes sur la vidéo, mais honnêtement, vous avez été super cool. Vous m'en avez mis plus de 1000. Et si on pouvait atteindre les 1500 sur celle-là, ce serait vraiment magnifique. Alors aujourd'hui, on va partir pour une petite mission. Je suis très déçu, les mecs. Je vous le dis, aujourd'hui, je suis très déçu. Je suis fatigué, je suis éreinté parce que franchement, j'ai passé 3 jours... 3 jours sur Euro Truck Simulator 2 à essayer de régler ma VR pour vous proposer une vidéo. Et si vous me voyez aujourd'hui sans le casque VR jouer comme ça, c'est parce que je n'ai pas abouti à ce que je voulais faire. J'ai failli à ma mission. Donc, qu'est-ce qu'on a comme mission? On a Barcelone-Cagliari pour aller en Corse, ou on a Barcelone-Barcelone. Barcelone, oui, c'est pas mal Barcelone. On va prendre Cagliari, direction la Corse. On prend cette mission. On va transporter 20 tonnes de farine, mon gars. Eh bah ça en fait des petits gâteaux tout ça. On a attendu pour le mardi 16h33 maximum. L'offre expire dans 17h25 pour un total de 6626 €. Je prends. On va aller choper notre remorque bien gentiment. Donc le petit Mercos, laissez-moi vous présenter l'intérieur et tout. C'est nickel, franchement il est super beau, je le kiffe. Ah, ça change un petit peu du Renault Magnum hein. Alors le Magnum, bien évidemment, je ne l'ai pas vendu. Je l'ai mis de côté dans mon garage, bien au chaud. Qu'est-ce que je fais là? Ah oui, je vais chercher la SMI, exact. On va faire le tour tranquillement parce qu'elle doit être derrière. N'oubliez pas comme d'hab, hein, les gars les filles, si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez que vous pouvez retrouver Euro Truck Simulator 2 ainsi que tous ces DLC et plein d'autres jeux sur le petit lien G2A qui se trouve dans la description. Alors ouais, honnêtement, je voulais vous faire une vidéo en VR. J'ai tout fait pour vous proposer cette vidéo en VR. Et il n'y a rien qui marche, les mecs. Alors, il n'y a pas de souci. Je veux dire, moi, j'arrive à jouer en VR. J'arrive à jouer en VR au jeu et tout. C'est nickel. C'est propre, c'est fluide de ouf et tout. Impeccable. Le problème, ce que j'arrive pas à faire, c'est retranscrire une image fluide pour vous la proposer en vidéo. C'est ça que j'arrive pas à faire. Et pourtant, je suis certain qu'il y a un certain temps tout de même. Ça fait 2 fois le mot certain dans la même phrase. Eh bien écoutez, je vais le redire une 3e fois. J'en suis certain que je vous avais proposé une vidéo VR sur Euro Truck. Et la vidéo était super propre et super fluide. Le problème, c'est que cette vidéo, elle a disparu de ma chaîne. Inconnue au bataillon. Elle a disparu, les mecs. Mais c'est un truc de dingue parce que je ne la retrouve pas. Je voulais vraiment la revoir, cette vidéo, pour voir ce que j'avais fait un petit peu. Et je suis sûr qu'elle était très propre. Alors, on prend notre semi. On attelle, impeccable. Et donc, le truc, si vous voulez, c'est qu'en fait, alors moi, comme je vous dis, dans mon casque VR, ça se passe nickel et tout. C'est très fluide, c'est très propre. Le problème, c'est la mise en miroir. C'est la mise en miroir pour pouvoir capturer la vidéo. Puisque moi, je veux pas simplement jouer tout seul de mon côté égoïstement. Je veux vous partager tout ça. Et du coup, la mise en miroir, elle lag un petit peu avec SteamVR. Et j'ai regardé, je suis vraiment... je m'en vais où? Oui, c'est bien par là. J'ai regardé et je ne suis vraiment pas le seul à avoir ce problème. Tout le monde a ce problème avec SteamVR. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur un autre logiciel. Je suis parti sur OpenVR Capture. C'est un plugin pour OBS pour pouvoir capturer le jeu en VR. Et pareil, c'est pas super fluide. Alors au début, quand tu commences la vidéo, c'est très fluide. Et puis petit à petit, la mise en miroir commence à laguer. Encore une fois, je ne suis pas le seul à avoir ce problème. Il passe pas, mon Jean-Jean? Eh ben, merci à toi, mon gars. J'y vais, hein. Allez, hop, on va y aller tranquillement. La SMI, elle s'accroche pas derrière. Donc oui, c'est la mise en miroir vraiment qui va pas. C'est cette mise en miroir. Impossible de trouver quelque chose de super fluide à vous proposer.
Et puis bah moi forcément je veux vous proposer de la qualité en image, c'est normal, je veux dire aujourd'hui tout le monde propose tellement de qualité sur YouTube, vous avez tellement le choix, forcément s'il y a un jeu qui lag chez quelqu'un, bah vous allez préférer aller le voir chez un autre qui lague pas. Et c'est tout à fait normal, hein, moi le premier, je vais aller regarder un gameplay qui lag sur YouTube, je vais préférer chercher un autre gameplay qui lag pas, tu vois, on est d'accord. Et du coup pour la VR, alors là je fais appel vraiment à tous les professionnels, les informaticiens, j'en sais rien, que sais-je. Ah voilà, à quelqu'un qui a déjà proposé des lives ou des vidéos sur Euro Truck Simulator 2. Alors je vous parle récemment, voilà, puisque avant la mise à jour de Steam VR, apparemment le problème vient depuis mars 2020. Donc ça commence à faire. Par contre, pourquoi je me suis arrêté dans le rond-point, je ne sais pas. Moi la vidéo, je vous l'avais proposée avant cette mise à jour. Avant cette mise à jour de mars 2020 justement. Et j'étais sûr et certain que la mise en miroir était très fluide. Et tout le monde le dit sur les forums. J'ai été regardé sur des Reddit, des forums, sur Twitter. Vraiment, j'ai regardé un peu partout des vidéos tuto en allemand, en anglais, en grec. Je comprenais rien, je regardais que les images, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, voilà, je suis vraiment pas le seul à avoir ce problème. Et tout le monde se met d'accord pour dire en fait que c'est depuis cette fameuse mise à jour de mars 2020 que SteamVR a commencé à chier dans la colle, tout simplement, tu vois. Voilà, du coup, impossible de vous proposer une bonne qualité en VR pour Euro Truck. Voilà, pour un autre jeu, il n'y a pas de souci puisque j'ai pas besoin de la mise en miroir de SteamVR. Après, il faut savoir que Euro Truck, à la base, c'est pas un jeu qui est optimisé pour la VR. Donc du coup, t'es obligé de passer par des petits subterfuges, tu vois ce que je veux dire. T'es tout le temps obligé de bidouiller quelque chose, un truc, enfin voilà. Y a rien qui va. Putain, c'est super joli dans le coin, les mecs. On n'est pas en Corse, là. Non, parce que je parle depuis tout à l'heure, mais je vous jure, je suis tellement focalisé dans ma bulle, là, que j'en ai même pas regardé la route, en fait. Je suis machinalement le GPS, tu vois. Donc, nous, on va prendre la sortie à droite. Donc, voilà. Si quelqu'un, des fois, passe par ici, a déjà fait des lives ou des vidéos sur Euro Truck en VR, bah, je voudrais bien avoir... avoir votre avis, avoir un petit tuto, tu vois, ou quoi, voilà, vous me contactez en message privé, j'en sais rien, mais voilà, moi personnellement, j'ai pas réussi à faire quelque chose de propre. Alors si, il y a une solution, il y a personne derrière? Non, c'est bon, mon Jean-Jean, il a pas l'air d'avancer là-bas, super, j'ai calé. Alors, il y a une solution, en fait. Bah mon gars, mais comment qu'il est... Mais t'es complètement taré, toi, mon pauvre Jean-Jean. Voilà, donc je vous disais... Il y a une solution, c'est repasser la version de SteamVR à la version 1.20.10, je crois, 1.20.10. Et donc, c'est apparemment depuis cette mise à jour que SteamVR aurait chié dans la colle au niveau de la mise en miroir, justement. Le truc, c'est que pour repasser sur cette version, mais laisse tomber mon gars, je vous jure, j'ai été voir des forums et tout, faut passer par ChitEngine et tout, enfin... Pff. J'ai dit mais t'es malade ou quoi, moi je suis pas informaticien, tu vois, je suis pas développeur web, je suis un gamer. Alors je connais quand même, tu vois, je connais un petit peu l'informatique et tout, je connais quelques trucs, pas mal de choses, mais pas à ce point là, aller trifouiller dans ChitEngine, les fichiers Steam, machin, nanana, moi j'y connais R les mecs, je veux dire, hein, tout ça pour faire une vidéo, je veux bien, j'ai passé quand même 3 jours les mecs, hein. 3 jours à chercher une solution. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live ces derniers jours. En parlant de live, bien sûr, je vous invite à venir me rejoindre sur ma chaîne Twitch, hein, qui se trouve dans la description. Et vous pouvez également... Est-ce que je peux passer à droite? Non, on va passer tout droit. Vous pouvez également venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube, les mecs. Puisque sur ma deuxième chaîne YouTube, justement... on fait du Euro Truck, y a du The Crew 2 en ce moment, y a vraiment tout un tas de jeux, il y a plein de jeux. J'attends le petit Forza Horizon 5 aussi qui arrive. Ça, je pense que ça va vraiment me plaire. Ça va être super cool avec le petit volant et tout. S'il y a moyen de le faire en VR, ce serait énorme. Ah, je vous jure, je veux tout en VR, moi. The Crew, Forza Horizon, Euro Truck. Mais Euro Truck, il marche super bien, les mecs, en VR. T'es vraiment dans un autre monde, t'es dans une autre dimension. Comme disait un célèbre monsieur Étienne qui avait une Ford Escort Vega Missile, t'es satellisé, mon gars. T'es satellisé. Vraiment, tu te retrouves dans un autre monde. Alors, mon Jean-Jean, il fait le voyage avec moi? Ou il a un Mercos, lui aussi? Il a le même que moi. Collègue, ça? Donc voilà, en VR,
C'est vraiment quelque chose, les mecs. C'est vraiment quelque chose. Et donc voilà, au final, j'ai testé une petite mission comme ça en VR. Je suis resté une heure dedans et je voulais enregistrer la vidéo, mais c'était pas super propre et tout. J'ai dit, allez, vas-y. Laisse tomber, c'est pas grave. C'est voilà, ça faisait déjà 3 jours que j'étais dessus. Je perds du temps. Je suis déçu. Je suis très déçu parce que je voulais vous la proposer vraiment. Je voulais vous la proposer cette vidéo VR et ça a pas fonctionné du coup. Alors Marseille, Naples, Porto Torres. On embarque. Ah, on aurait pu aller à Naples aussi en Italie, histoire de faire un petit détour et tout. Ça aurait été plutôt sympa. Alors, nous voilà arrivés. Ouh, il fait nuit les mecs. Et on va peut-être pas allumer nos phares, non? On va mettre les pleins phares directement. Allez hop, soyons fous mon gars. Par contre, je vois pas mon rétro. Voilà, nickel. Donc vraiment, si Euro Truck ça vous plaît, si The Crew 2 ça vous plaît, si tout un tas d'autres jeux vous plaît, je veux dire, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur ma deuxième chaîne qui se trouve dans la description. Ça me ferait très plaisir de vous y accueillir. Sur cette chaîne, on fait vraiment plein de choses. Donc, il y a des unboxings. Voilà, des unboxings de produits high-tech. Ça peut... Ça peut être des téléphones, des... Enfin, ça peut être vraiment tout un tas de choses qui tournent autour de la high-tech. Il y a bien sûr les rediffusions de live. Oh putain, ça passe mon gars. Nickel, voilà. Des fois, il y a des jeux test Switch. Ça fait un petit moment que je vous ai pas proposé un test d'un jeu sur Nintendo Switch. Alors, le dernier en date qu'on a fait sur la Switch, c'était Animal Crossing. D'ailleurs, il y a la mise à jour... enfin, qui va sortir au moment où je tourne la vidéo. Mais je pense que quand vous la verrez, la mise à jour sera déjà sortie. Et il y a moyen qu'on en fasse un petit peu en live ou quoi. Pourquoi pas, ça pourrait être vraiment très sympa. On en fait déjà un petit peu en vidéo sur la deuxième chaîne. Donc ça c'est cool. Par contre, il me reste combien de kilomètres les mecs? Il me reste 438 kilomètres. Ah quand même. Ah ouais. Et ça franchement c'est super cool d'avoir vraiment le GPS intégré dans le camion. T'es pas obligé d'avoir ton petit écran qui vient, on va dire, te gâcher la vue. Bon, entre guillemets, parce que même quand tu fais ça, ça te gâche pas vraiment la vue quoi, tu vois. Mais ça fait un petit peu plus RP. Voilà. Avec le petit activé Windows en bas à droite, ça fait très RP aussi. Et pas bien réglé mon rétro là, je trouve. Voilà, nickel. Alors aussi, tant que je vous tiens là, les gars, les filles, je voulais vous annoncer que sur ma deuxième chaîne, alors pour l'instant, je mets ça entre parenthèses, ça devrait se faire, il n'y a rien qui a été confirmé pour le moment, mais il y a un live spécial qui va se dérouler le 9 novembre. Je n'ai pas encore la date. Je n'ai pas encore la date, ce sera sur ma deuxième chaîne. Notez ça dans vos agendas, n'hésitez pas à venir vous abonner, activer la petite cloche. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas le rater. Et vas-y mon gars, pas de clignotant, il va pas me foncer dedans quand même, non? Ça va, nickel. Voilà, donc le 9 novembre, pourrait éventuellement y avoir un live. Pour le moment, rien n'a été confirmé, hein, je le répète. Ça se passera sur ma chaîne YouTube, sur ma deuxième chaîne YouTube, bien sûr. Et donc, c'est une marque... qui m'a contacté, je n'en dis pas plus pour le moment. Cette marque m'a contacté pour sponsoriser le live. J'ai dit ouais, ok, pourquoi pas, tu vois. Ce serait la première fois que je fais ça, un live sponsorisé. Voilà, autant des vidéos sponsorisées, oui, on en a déjà fait, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, un live sponsorisé, voilà, à voir. Pour l'instant, je vous en parle pas, les mecs. Voilà, pour l'instant, je vous en parle pas plus que ça parce qu'il n'y a rien de confirmé. Voilà, tout ce que je peux vous confirmer, c'est que venez vous abonner sur ma deuxième chaîne. Ça me ferait plaisir. Sévère, on y va, mon gars. Let's go. Et donc, ouais, oh là là, les mecs. Mais je vais pas en démordre avec ça. Je vais pas en démordre, je vous jure. Je reviens sur la VR. Mais qu'est-ce que c'est cool la VR sur Euro Truck. Et qu'est-ce que j'aurais aimé vous proposer une vidéo. J'étais pas loin de faire mes réglages et tout, tu vois. Mais à chaque fois, il y a un truc qui va pas. C'est voilà, ça me plaît pas, c'est pas super clean. Et moi, je veux pas vous proposer quelque chose de regardable sur ma chaîne. Parce qu'en vrai, la qualité, elle est regardable, tu vois. Je veux dire, au niveau de la fluidité, c'est regardable. Mais je veux pas vous proposer quelque chose de regardable. Moi, je veux vous proposer quelque chose... qui tape, mon gars, tu vois, quelque chose de bien, tu vois, normal. Je vous dis, aujourd'hui il y a tellement de monde qui propose de la qualité, c'est normal que moi aussi j'ai envie de vous proposer quelque chose de qualité. Bon, après
on fait tous avec le matos qu'on a, hein. Moi je suis pas à la dernière pointe, et bah vas-y Doug mon Jean-Jean, je suis pas à la dernière pointe de la technologie pour vous proposer, forcément je propose pas du ray tracing sur ma chaîne, du 150 images par seconde ou quoi, tu vois, mais voilà. Je fais quelque chose de propre à hauteur de ce que je peux avec le matos. Et franchement, je suis pas le moins bien équipé pour vous proposer de la qualité. Je veux dire, voilà. Je pense quand même, en toute modestie et en toute objectivité, que mes vidéos sont de bonne qualité. Voilà. Je veux dire, ça adoucit quand même bien la rétine quand vous voyez un petit jeu comme ça avec une belle fluidité, des beaux graphismes. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas de ray tracing et tout ce qui va avec. Inch'Allah, peut-être un jour la 5 GTX Titan, mon gars. Hein. Voilà, je suis encore resté collé sur la GTX Titan, alors que oui, il y a les RTX, tout ça qui sont sortis, 5090, 10060 ou je sais plus quoi. Mais oui, effectivement, je suis resté bloqué sur la Titan. Ah, ça, ça arrive découverte. Eh ben mon gars, eh ben ça, ça... Eh ben ça, ça fait plaisir. Alors, nickel, regardez ça, un petit camion de pompiers là. Mais c'est joli par ici. C'est super joli. Allez, pas de clignotant, mon gars. Ah, bah ça, tu peux y aller, que le jeu là-dessus, il est RP. Hein. Ah, il est RP. Combien il y en a qui foutent pas leur clignotant dans les ronds-points? Ça, c'est un truc de ouf, mon gars. Ah, là-dessus, il y a du réalisme. Tu peux y aller. Je suis perdu, là. C'était pas à gauche. Ah, non, 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 non. Qu'est-ce que je fous? Je m'arrête. Allez. Je m'arrête en plein milieu de la route. Moi, tout va bien. Bah, tu vas attendre derrière. Tu vas attendre. Vas-y, double. Attends, en plus, je suis sur la mauvaise voie. Je suis sur la mauvaise voie, mon gars. Voilà. Nous, on tourne ici. Donc là, on est en Corse, les mecs. Hein. Là, on est en Corse. Et franchement, c'est super joli, mon gars. C'est super mignon, ici. Alors bon, là, on est de nuit. Forcément. Il est quelle heure, d'ailleurs? On a l'heure sur notre truc? Mardi, minuit 51, c'est ça? Ça doit être ça. Attends, 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 j'étais en train de regarder le GPS, les mecs. Aujourd'hui, objectif zéro accident. Aujourd'hui, objectif zéro accident. Alors, je sais que la dernière vidéo que vous avez vue, c'était c'était une compile de mes accidents, bien sûr, tout ça. Alors, faut savoir quand même que, bon, la vidéo que vous avez regardée, c'est un best-of. Voilà, de mes crashs et tout. Et ça peut être drôle et tout. Ça vous a bien fait marrer, d'ailleurs. Hein. Mais la vidéo dure 10 minutes. Voilà. Donc c'est 10 minutes d'accident, les mecs, mais sur combien d'heures de conduite? Sur un quart d'heure au moins. Au moins. Non, 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 non. Non, non, j'abuse. En vrai, c'est 10 minutes d'accident, mais sur v'là les heures de conduite. Je veux dire, je suis pas tout le temps en train de me prendre un fossé, un camion ou une bagnole, tu vois. Là, c'est un best-of que j'ai réalisé grâce à vos clips et tout. Du coup, bah j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu et c'est de là que je me suis dit, tiens, je vais peut-être quand même leur proposer un petit peu de retruck sur la chaîne. Je me suis dit que ça pourrait vous plaire si le best-of vous a plu. Et puis là, je me suis... Vas-y, pas de clignotant, mon gars. Pas de clignotant, c'est bien. Ah, comment ça se passe? Faut rajouter un mode pour que les gens mettent leur clignotant ou quoi? Non, mais c'est dingue, les mecs. Voilà, donc je me suis dit que ça allait vous plaire. Quelques petites missions retruck et tout. Et moi, franchement, mais qu'est-ce que je kiffe ce jeu. Je kiffe, là en ce moment, je suis à fond de balle avec mon volant Logitech G29. Que ce soit, on est sur The Crew en live sur Twitch. Donc bien sûr, vous pouvez retrouver tout ça sur mon autre chaîne. On fait du Euro Truck. Là, j'attends le petit Forza Horizon 5 qui a l'air d'une petite pépite. Franchement, je l'attends, vraiment, je l'attends. Et à mon avis, ça va être bien cool, les mecs. Je pense qu'on va en faire en live. On en fera très certainement en vidéo aussi. Enfin là en ce moment, voilà, c'est juste pour vous dire que je le lâche plus, mon volant, tu vois. Il est là, je suis vraiment à fond de balle avec. Et c'est surtout avec la VR, oh là là. Avec la VR, je suis à fond de balle aussi. Surtout sur Euro Truck. Malheureusement, eh ben encore une fois, je peux pas vous proposer de vidéo avec la VR. Et ça, je trouve ça tellement triste, tellement dommage. J'aurais tellement voulu vous proposer des vidéos en VR sur Euro Truck. Et peut-être que je vais trouver une solution bientôt, je sais pas. Peut-être que quelqu'un va passer dans les commentaires, va trouver une solution, va me dire, bah tiens, tu peux essayer ce logiciel, il est bien ou quoi. Voilà, pour l'instant, je vous dis, j'ai testé deux logiciels. Donc c'est SteamVR. SteamVR, la mise en miroir, mais laisse tomber, c'est nul. C'est nul de chez nul. Et je peux vous dire, j'en ai regardé des forums, les mecs. J'en ai regardé des forums.
je suis pas le seul à avoir ce problème. Tout le monde a ce problème. Tout le monde. Voilà. La mise en miroir de SteamVR, elle lag. Elle est pas fluide comme moi, jouer le jeu dans mon casque. Alors au début, je me suis dit, tiens, c'est peut-être mon PC qui est pas assez puissant ou quoi, c'est possible, hein, tu vois. Comme je vous le répète, je suis pas la pointe, tu vois. Voilà. Mais je me suis dit que c'était pas possible, puisque dans mon casque, le jeu est très propre, très fluide. Mais il n'y a que dans la mise en miroir que ça lag. Donc forcément, je me suis dit c'est un problème logiciel. Et puis bah, j'ai eu raison. On va peut-être bien freiner 2 secondes, non? Oui, quand même. Parce que là, dans les montagnes... Alors c'est super dommage qu'il fasse nuit. Oh. Ça, c'est dangereux ce que je suis en train de faire. Je sais pas pourquoi j'ai tenté un truc de ouf comme ça. Bah, j'aurais bien aimé qu'il fasse jour pour pouvoir bien visiter la Corse ou quoi. Bon, malheureusement, il est quelle heure? 1h32. Ouais. Ouais, le temps qu'on arrive, les mecs, peut-être qu'il fera jour ou je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mon Dieu! J'ai failli caler, tiens. Je m'arrête en plein milieu de la route, comme ça. Donc ouais, vraiment, si quelqu'un passe, s'il y a un expert qui passe, voilà, vraiment, faites-moi en part. Je sais pas, mais... Et j'ai regardé plein de vidéos VR sur Eurotruck. Alors bien sûr, tout ce qui a été posté avant mars 2020, ça compte pas, parce que forcément bah, tout ça c'est fluide et tout, il n'y a pas de souci. Et tout ce qui a été posté en VR après mars 2020, et ben, les vidéos ne sont pas ultra fluides. Alors je vous dis, hein, je chicane parce que voilà, hein, je cherche toujours à proposer un truc très fluide, machin, nana. Donc comme je vous dis, c'est regardable, mais il y a tout le temps des petites saccades et tout qui me plaisent pas. Et moi je veux pas proposer quelque chose de regardable sur ma chaîne. Tu vois? Voilà. Même si, bon, encore une fois je vous le dis, on fait tous avec ce qu'on a comme matos. Moi par exemple, voilà, pour les vidéos Stranded Deep, la dernière fois je reviens là-dessus. Donc j'avais fait un putain de bateau, hashtag le radeau de la Méduse, le Hollandais volant. Et donc j'avais tellement de trucs sur mes coffres au final mon jeu il laguait, tu vois. Là par exemple, bah je pouvais rien y faire. Là c'est mon matos, tu vois. La seule chose que je pouvais faire, c'était virer tous mes coffres et puis effectivement construire le Hollandais volant, partir là dessus bah, c'est d'ailleurs ce qu'on avait fait en live, voilà, pour que mon jeu arrête de laguer, on va dire. Mais là je sais que ça vient pas de chez moi, tu vois. Je sais que ça vient d'eux, voilà, c'est leur mise à jour en fait. Donc du coup, oui, j'avais testé SteamVR. SteamVR, oublie mon gars. Voilà, faut repasser sur une version antérieure avec Chait Engine et tout, machin. Mais c'est mort, gros. Je suis pas développeur web, moi, tu vois. Voilà. Bon, après, je suis pas plus con qu'un autre, hein, mais... Faut aller farfouiller là-dedans, faut aller trifouiller, tu vois. J'ai pas envie de tout dérégler mes settings, mes paramètres, pour faire une vidéo. Ce serait malheureux, tu vois. Après, tout régler ou quoi. Voilà, donc après, il y a le plugin... OpenVR sur OBS. Et c'est pareil, c'est pas le top. Voilà, c'est pas le top. Le top, vraiment, bah, ça aurait été la mise en miroir de SteamVR, mais qui lag pas. Voilà, parce qu'avec le plugin OpenVR sur OBS, ça vous donne un espèce de truc. Enfin, c'est pas le bon format, quoi. Faut redimensionner l'image et tout, et ça me plaisait pas trop. Voilà. Donc voilà, les mecs. Voilà l'histoire de la VR. Mais sinon, en jeu, moi, il n'y a pas de souci, hein. Je peux y jouer, tu vois. C'est comme je vous dis, c'est fluide, c'est propre. Je peux juste pas vous proposer la vidéo. Et ça, je trouve ça malheureux parce que je comptais faire des lives dessus. Je comptais vraiment faire des lives sur Twitch. D'ailleurs, j'avais regardé des tutos et tout pour avoir le chat, carrément le chat Twitch dans le camion. À un endroit posé et tout. C'était super propre, c'est super clean. Le tuto il a pas l'air compliqué, mais c'est pas ça qui va pas en fait. Voilà, c'est pas ça qui va pas faire laguer le mode miroir, on va dire. Olbia découverte. Eh ben ça fait plaisir franchement les mecs. On est à Olbia. Alors, c'est impeccable. Alors, il nous reste 300 bornes les mecs. On a quand même fait de la route, hein, depuis qu'on est parti. Ah, ça discute, mais on a fait de la route, mon gars. Il nous reste, ouais, 304 bornes. Et on devrait arriver dans 5h11. 5h11 in-game, bien sûr. Hein. Nous, on part par la droite, direction Sandro. Sandroville. Mais je vous le dis, les mecs, hein, vraiment, si vous avez
un casque VR si vous avez ETS. Et alors le must bien sûr c'est d'avoir le volant en plus, tu vois ce que je veux dire. Mais alors là mon gars, c'est bon quoi. T'es bien quoi. Faut vraiment tester ça les mecs. Parce que c'est quelque chose, quand tu joues sur un écran comme ça, quand tu retranscris le jeu sur un écran, tu joues au jeu. Mais quand t'es en VR, tu vis le jeu mon gars. Ah, Jojo le Routard, il est dans le camion en VR. Il est dans le camtar mon gars, tiens les flics. Hein mon Jean-Jean. Marche bien le klaxon en tout cas. Ça, il n'y a pas de souci. Marche pas bien les feux en Corse. Tiens, j'ai calé. Je me suis dit que le feu était orange, il est passé au rouge, mais non en fait. Putain, mon vieux, ça roule vite, ça roule vite. Cagliari. Ah bah voilà, on est dans la bonne direction. Ça tombe bien, je crois que c'est par là qu'on va les mecs. Donc ouais, vraiment, faut tester ça. Si vous avez l'occasion, si vous avez l'occasion vraiment, ah c'est un truc à tester. ETS en VR. Oh là là, hey, comment c'est le feu. C'est énorme les mecs. C'est vraiment énorme. Je vous le dis, je le répète, mais c'est énorme. Ça va, je suis passé comme ça, j'ai pas regardé à droite, à gauche, j'ai dit allez vas-y, au petit bonheur la chance. Tranquille, c'est bon, ça passe, nickel. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, pas un accrochage. Alors attention, je touche du bois. Pour le moment, pas un accrochage les mecs. Pour le moment. Voilà, après on n'est pas encore arrivé hein. Il peut s'en passer des choses sur 300 bornes hein. Mais bon, on va pas non plus invoquer le démon hein. Voilà, pour le moment ça se passe très bien. Donc vous voyez que des fois, alors c'est vrai que souvent quand on se prend des fossés ou quoi, allez c'est bon, on passe les mecs. Quand on se prend des fossés, souvent quand il y a des accidents, c'est très souvent en live. C'est très souvent en live. Parce que forcément, bah, je suis tout le temps en train de tourner la tête pour voir le chat. Des fois, vous m'écrivez des longs messages, vous me faites des poèmes. Alors, je suis obligé de rester longtemps sur le chat. Et quand je reste sur le chat, j'ai tendance à faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et puis quand je rattrape, bah, c'est là que je pars en deux roues, mon gars. Alors, pour peu que je sois à 140 sur l'autoroute, bah, forcément, ça part en vrille, tu vois. Voilà. Par contre, tiens, voilà, je vais redimensionner ma caméra. Pour avoir bien le rétro. Mais sinon, voilà, en vidéo, regardez. Bon, pour l'instant, je touche du bois. Hein. Mais ça s'est bien passé. Ça se passe bien. Ça se passe bien pour le moment. Voilà, hein. Faut pas non plus que je me jette trop de fleurs. Faut pas que je prenne trop la confiance. Parce que un accident est si vite arrivé. Comme par exemple, là, vous voyez, j'ai pris le rond-point un petit peu vite. J'ai fait un petit peu le show, tu vois. Tranquillement. Mais ça va, ça passe. Donc voilà, pour tous ceux qui me suivent en live sur Twitch, vous savez que on fait des lives très régulièrement, très souvent. Hein. Là, ça fait quand même quelques jours que j'en ai pas fait. Mais c'est tout simplement parce que j'avais mon truc à régler. Voilà, je voulais absolument vous sortir la vidéo sur la VR. J'ai pas réussi à la régler malheureusement. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live les mecs. Hein. Bon, alors après, il n'y a pas que ça non plus. Je veux dire, à côté... Faut bien que je monte les vidéos, que je vous les propose sur la chaîne. Encore une fois, je vous le répète, je suis tout seul à gérer les deux chaînes et la chaîne Twitch, tu vois. Donc forcément, je peux pas faire des streams tous les jours, c'est pas possible. Sinon, il y aurait aucune vidéo qui sortirait sur les deux chaînes. Faut bien que je regarde ce qu'on a fait et tout pour vous proposer les vidéos, justement. Après, il y a les miniatures à faire, il y a les titres... Voilà, je vous dis, il y a quand même pas mal de trucs à gérer. Mais sinon, hormis ça, on est quand même très souvent en live. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Le lien est dans la description. Ça se trouve, peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo, peut-être qu'on est déjà en live, va savoir. On n'en sait rien, peut-être. Faut aller y faire un petit tour pour ça. Bien sûr, vous avez toutes les rediffusions qui se passent sur ma chaîne secondaire. Alors je dis sur ma chaîne secondaire, mais voilà, il n'y a rien qui passe au plan secondaire hein, chez moi. C'est plutôt sur ma deuxième chaîne, voilà. Les vidéos ne sont pas moins bien que sur cette chaîne. Et donc, oui, je vois, aujourd'hui, on fait un petit test livraison, comme ça, sur Eurotruck. Si vraiment cette vidéo vous plaît, les mecs, je l'espère, si ça vous plaît, on va continuer à faire du Eurotruck sur la chaîne. Et peut-être même, pourquoi pas, du The Crew sur la chaîne, du Forza. Parce que des fois, c'est vrai que je me dis, honnêtement... Je m'empêche
de vous proposer des vidéos sur cette chaîne. C'est pour ça que j'ai ouvert une seconde chaîne d'ailleurs. Je m'empêche de vous proposer des vidéos sur cette chaîne en me disant mais oui, mais ça se trouve ça va pas vous plaire ou quoi, donc je vais pas le faire, tu vois. Malgré que bon, des fois, bien souvent, je teste, voilà, je teste de nouveaux sujets sur la chaîne ou quoi. Alors pas des nouveaux concepts parce que voilà, plus personne ne teste des nouveaux concepts aujourd'hui sur YouTube. Hein. Tout a déjà été fait. Hein. Voilà, mais voilà, des nouveaux sujets en tout cas que moi je n'ai pas fait sur ma chaîne YouTube. Et puis bon, bah des fois je vois si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Si ça vous plaît pas, je continue pas. Si ça vous plaît, et bah je continue. Donc là, je vais voir. Super, j'ai calé les mecs. Donc là, je vais voir avec Eurotruck. Vraiment, j'espère que vous allez kiffer. Hein. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like, les mecs. Ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis le petit commentaire, c'est important aussi pour le référencement de la vidéo, paraîtrait-il. Voilà. Donc dans le doute, bah mettez quand même un petit commentaire, tu vois. On sait jamais. Ah là là, regardez-moi ça. Je me suis arrêté de nuit là, sur le bord de la route. Enfin sur le bord de la route, en plein milieu de la route, je veux dire. Je vais faire chier le Jean-Jean qui arrive derrière moi. D'ailleurs, on va démarrer, mais c'est juste magnifique les mecs. C'est magnifique. C'est comme ça qu'on crée des bouchons sur la route. Hein. Avec des curieux comme moi qui s'arrêtent pour mater un petit peu le paysage, tu vois. Voilà. Mais c'est magnifique les mecs. Vraiment, je le répète. J'adore Eurotruck. Je kiffe Eurotruck, les mecs. Voilà, que ce soit Eurotruck, même tout ce qui est jeux, les jeux de voiture, un petit peu avec le volant. La dernière fois, on en parlait en live, justement. Hein, que ce soit The Crew, Forza Horizon. Moi, j'aime beaucoup le côté arcade sur les jeux de voiture. Donc, plus The Crew que Forza Horizon. Après, vraiment là, par contre, j'attends le 5. Parce que le 5, il a l'air d'être énorme. Alors, je kiffe Forza Horizon, hein. Je kiffe, on avait fait le 4 et tout. On en avait fait pas mal sur la chaîne, notamment sur Twitch en live. Mais j'aime bien ce petit côté arcade sur les jeux style The Crew. Voilà, le côté fun et tout. C'est surtout, j'adore la grandeur de la map. Parce qu'il faut dire que la map de The Crew, elle est juste énorme. Elle est énorme de chez énorme. Même la map de Forza Horizon 5 n'atteindra pas la taille de celle de The Crew. Mais bon, après, putain, j'y vais comme ça à l'aveuglette, mon gars, je suis un ouf. Après, faut voir comment la map est fournie, parce que la map de Forza Horizon a l'air vachement fournie quand même. Hein. Bah, la map de The Crew 2, elle est ultra fournie aussi. Hein. On va pas se mentir quand même, hein. Y a plusieurs villes et tout. On va peut-être rétrograder les mecs quand même, là. Putain, ils galèrent un peu dans la côte, le Mercos, là. Mais tranquille, Dorgali, les mecs. On arrive à Dorgali. Donc voilà, vraiment là j'attends le petit Forza. Et je pense que ça va être énorme. Je pense que je vais kiffer. J'espère que vous allez kiffer avec moi. Voilà, avec le petit volant et tout. C'est pas mal comme ça. Regardez la vue là que je vous propose. Non, je sais pas, vous avez la vue volant, la vue sur les vitesses et tout. Comme ça vous voyez bien tout ce que je fais. Alors j'ai pas de caméra pour filmer les pédales hein, mais voilà, ça passe tranquille. Ça passe crème je trouve comme ça. Dites-moi si vous kiffez un petit peu la vue comme ça par rapport au jeu. Si je cache rien, je pense pas. Je regardais, mais non, je cache pas les rétros. Et voyez, c'est exactement ce qui se passe sur Twitch, les mecs. C'est quand je regarde comme ça, et ben j'ai tendance à me foutre en l'air, tu vois. Voilà. Alors pour les vidéos, ça va. Pour les vidéos, ça va parce qu'en général, je garde le nez sur mon cap, tu vois. Voilà, je garde le nez sur l'écran, donc. Ah mais regardez les mecs. Mais regardez ça, ça commence à faire jour là. Ben oui, il est 4h41. Ça commence à faire jour tout doucement. Ah c'est super beau les mecs. C'est bon là c'est super beau. On voit pas grand chose. Là c'est super risqué ce que je fais. C'est très très risqué. Mais bon. Transport Caballeria. 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 Transportes. Non c'est sûr. Oh 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 oh. Ouh. C'est rien. C'est rien les mecs. C'est rien. Ça va, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. C'est contrôlé. C'est contrôlé. J'ai fait un petit deux roues avec la SMI là, tranquille, tu vois. Histoire. Voilà, on s'est fait une petite frayeur. Voilà. Je pense, mon gars, ça t'arrive ça, en vrai, avec ton camtar. C'est chaud. C'est très très chaud, les mecs. Je pense que ça t'arrive ça avec le camtar, ça doit être chaud. Hein. Moi, je vous dis. Oh là là, oh, regardez, les mecs. On arrive en ville là.
Oh, et tu dois voir ta vie défiler, à mon avis. Et puis je pense que si t'arrives à rattraper le camion dans cette situation, qui revient droit, tu dois te tenir à carreau comme ça, mon gars. Et puis tu dois repenser à tout ce qui s'est passé, tu vois. Non, non, c'est chaud quand même. Enfin, je pense. Hein. Ah là, regardez ça, les mecs, là. On passe les petites villes et tout. C'est super stylé. Avec les petites montagnes derrière. Non, franchement, c'est ouf, hein. Les décors de Corse et tout. Oh là 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 là, mon gars. Doucement, doucement. Pas de frayeur comme ça, pas de frayeur. Quart de du, les mecs. Non, non, c'est super stylé. T'as les petites villas sur les côtés. Regardez ça, là. Le soleil qui se lève derrière, là. Oh là là, c'est énorme, les mecs. Énorme, énorme, énorme. Vraiment, je kiffe ETS pour ça, pour les décors, pour les balades de chill et tout. Excusez-moi, j'ai tapé le micro sur le volant. Mais voilà, pour les livraisons de chill et tout, j'adore, j'adore. Et puis, c'est génial aussi à faire en live sur Twitch parce qu'on interagit ensemble et tout. On peut discuter, voilà, on peut débattre de plein de sujets sur Eurotruck. Bah, c'est ce qu'on fait en live d'ailleurs, hein, tout simplement. On parle de tout et de rien, on parle pas spécialement que du jeu. Hein. Voilà, Eurotruck, c'est un jeu où tu peux débattre sur plein de sujets, tu vois ce que je veux dire? Voilà, Eurotruck, The Crew. Alors, The Crew, c'est un petit peu plus difficile à débattre sur The Crew parce que quand t'es à 2,50, c'est compliqué de te concentrer sur ce que tu vas dire et. Et le virage que tu vas prendre. C'est pas magique, c'est pas magnifique. Combien de kilomètres il nous reste? À peine 150, les mecs. À peine 150, vous vous rendez compte? J'ai pas vu les kilomètres passer. J'ai pas vu le temps passer. Et regardez-moi ça là, avec le petit pont derrière. Oh, ouais, c'est magnifique. C'est magnifique. J'espère qu'on va prendre le pont. Est-ce qu'on va prendre le pont? Oui, on va prendre le pont. Mais bien sûr qu'on prend le pont. Regardez ça, les mecs. Aïe 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 aïe. C'est stylé de ouf. Et c'est pareil hein, au niveau de l'Espagne. Alors on n'a pas tout fait pour le moment. On n'a pas tout fait hein, mais voilà, au niveau de l'Espagne, il y a des super trucs à voir aussi. Ah, c'est joli. C'est vraiment très joli, les mecs. C'est très stylé. J'adore hein. Par contre on va, voilà, on va se remettre une petite vue à la normale, tranquille. Voilà, histoire de finir la mission bien convenablement, tranquillement. Donc voilà les mecs, moi je vous le dis vraiment, si vous kiffez Eurotruck, eh ben vous me dites tout ça dans les commentaires et puis c'est sûr, on va en refaire, tu vois. Je veux dire, en ce moment en live, on part, tiens les vacanciers, salut. En ce moment en live, on part un petit peu à la conquête de l'Espagne et tout, on se fait des petits challenges, on joue en multi avec les abonnés et tout, donc c'est vraiment très sympa quoi, tu vois. Voilà, c'est un jeu où on interagit beaucoup ensemble, je trouve. Et ça, vraiment, bah, moi, j'adore. Pourquoi qu'il me fait des... Ah, c'est peut-être parce que je suis en plein phare. C'est bien fait, quand même. Attendez, je vais laisser les pleins phares. Mais je crois que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, il me semble. Je suis pas sûr. Il me semble que je l'avais déjà remarqué, ça. On va laisser les pleins phares. Et on va voir si je me prends un coup d'appel de phare pour la prochaine. Ah, la vache, mon gars, oui. Alors, regardez. Il m'a fait un appel. Je crois qu'il m'a fait un appel hein. Il me semble. Ah, avec 20 tonnes de farine au cul, mon gars, c'est compliqué. Ah bah le bouchon que je suis derrière. Ah bah mon gars. Ah, y'a du monde derrière. Ah bah je suis désolé les mecs, mais eh, faut les pousser les 20 tonnes de farine au cul du camion hein. Enfin, faut les tracter plutôt. Voilà, tiens, en descente là ça va tout seul par contre. Donc voilà, oui, vous me dites, moi, si vous êtes chaud pour du Eurotruck dans les commentaires. Et puis moi, bah, je me ferai un plaisir vraiment de vous en proposer. Parce que je kiffe, c'est un régal ce jeu, avec le volant et tout. Alors, tiens, les flics, on va se tenir à carreau. Ça aurait été vraiment encore plus un régal de vous le proposer en VR. Ouais, je ralentis les mecs, je ralentis. Je prends pas de risque, zéro risque. Et franchement, on n'a pas fait un accident. On n'a pas fait un accident. Même mieux, il n'y a pas eu un accro, il me semble. À moins que je m'en souvienne plus, j'ai. Voilà. Je vous ai tellement raconté de choses, mais. Il me semble qu'il n'y a pas eu un accro, les mecs. Bon, alors attendez, la livraison n'est pas finie, surtout, regardez-moi ces virages.
Voilà, on va faire un petit challenge. On va descendre à 120 dans les petites routes de Corse. Non, 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 tranquille. La SMI, elle passe limite derrière. Hein. Ça passe limite. Hein. Oh là là, j'aurais été en solo avec le Mercos là. Pff, sans la SMI au cul. Là, je te prends les virages à 90. 90, 100, 110. Je ralentis, je ralentis, je ralentis. Non, 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 non. Ah, dégâts de la SMI 1%. Ouais. Il est sérieux? Mais non. Oh, ça, c'est parce que je fais le fou, les mecs. C'est parce que je fais le fou, là. Voilà, là, vous voyez, là, je suis en train de déconner et tout, machin, nana. Alors qu'en vrai, pff, laisse tomber. Et en VR, c'est pareil, les mecs. En VR, j'allais dire, tu conduis mieux, mais pas forcément. Si, si, si. En VR, vraiment, parce que t'es dans ta bulle, t'es focalisé, tu vis la vie du routard. Jojo le routard, t'es dans le camion, mon gars, en VR. Et oui, ouais, en VR, je pense que tu conduis mieux. Parce que c'est tout simplement comme si t'étais au volant d'un vrai véhicule. Je vous le dis, les mecs, hein, t'es dans le camion. Hein. Voilà. Alors, la plupart des gens qui n'ont jamais testé la VR voient pas. Donc, forcément, quand on vous fait les vidéos, vous voyez pas comme nous on voit dans le casque. C'est pas pareil. Donc, vous pouvez pas vous rendre compte, mais faut vraiment avoir le casque sur la tête. T'as pas simplement un grand écran devant toi en VR. T'as pas un grand écran. C'est t'es immergé dans le truc. T'es immergé dans le truc. Voilà, en pleine immersion. Quoi. Putain, mon gars, tous ces virages. Non, mais c'est la folie là-dedans. Regardez ça, vous avez des petites maisons sur le côté et tout. Je trouve que ils ont vraiment bien fait les décos. Et là, j'ai failli... Ouais, la SMI, elle fait... elle tangue derrière, mais ça va, tranquille. Tranquille. On fait un peu de deux roues dans les virages. Tiens, tiens, mon Didier. Voilà, ça... Attends, 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 les mecs. On va se mettre bien, on va se mettre bien, là. Voilà, doucement, doucement, doucement. Voilà, nickel. Ah mais oui, mais c'est vrai que je vois Servillo. Mais on n'est pas en Italie, on est en Corse là. Mais c'est vrai que les Corses, ils sont un petit peu... C'est les cousins des Italiens un petit peu. Vous êtes cousins avec l'Italie, les Corses, non? Enfin, ça parle un petit peu italien là-bas. Ouais, parce que je vois Servigo. C'était marqué en italien, donc... ouais, ça parle à moitié... ça parle le dialecte français, franco-italien en Corse. Il me semble, hein. Ah mais regardez ça, par contre les décors sont magnifiques. Les décors sont magnifiques. Et en vrai, vous avez des décors magnifiques en Corse. C'est vraiment, c'est une très belle île la Corse. Très belle île. Voilà, et puis dans Euro Truck, et bah regardez ça, ça dément pas, hein. Ça dément pas dans Euro Truck, hein. C'est vraiment une très belle île aussi sur le jeu. Je kiffe les mecs. Regardez ça. Pour fêter ça, on va passer la 12. On va aller doubler le Jean-Jean sur la ligne blanche. Ah non. Ah si, une ligne blanche, je peux pas doubler les mecs. Attention, accrochez-vous les mecs, c'est pour le challenge. C'est pour le challenge. Accrochez-vous. Ça passe. Ça passe. C'est vraiment pour le challenge. Hein. Ne refaites pas ça sur une ligne blanche, les mecs. C'est amendable. Hein. Vous perdez votre permis directement. Je ne fais bien entendu pas ça dans la vraie vie, les mecs. Ah, on aurait pu aller tout droit aussi. Ah ok d'accord. On pouvait passer tout droit. Alors je sais pas si ça menait au même endroit. Oula oula. Voilà doucement. Doucement doucement. Ah. Ah oui 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 oui. On serait peut-être sorti là si on avait été tout droit. Je sais pas. Ouais non, parce que je voyais les flèches jaunes derrière là. Donc quand il y a les flèches jaunes, ça veut dire que ça annonce entre guillemets la fin de la map. Enfin, c'est des endroits où vous pouvez pas avoir accès tout simplement. Mais ça aurait été tellement bien genre qui mode bah qui continue à modder le jeu. Je parle au niveau des mappeurs hein, pour les pro modes et tout. Ah bah ça par contre c'est dégueulasse sur le côté. Ah ça c'est dégueulasse. Ça par contre voyez. Ah ça c'est de la vraie simulation les mecs hein. Ça c'est de la vraie simulation. Bah ouais mon gars. Bah ouais. C'est de la vraie simulation les mecs. À l'état pur. Ah, t'as toujours des gens dégueulasses. Voilà, sur le bord de la route qui s'arrêtent à mettre leurs déchets ou quoi. Donc ouais, ça aurait été bien vraiment que les modeurs continuent à nous refaire des petites routes et tout. Alors je sais que j'ai pas mal entendu parler de la map Grand Utopia. C'est une map justement bah, qui a l'air fait pour le mode, qui a l'air ultra modée. T'as plein de petits chemins et tout, t'as plein de petites villes françaises. Ce qui me dérangeait un petit peu sur cette map... C'est que au rouge, on s'arrête pas au rouge les mecs, ils sont malades. Donc voilà, moi ce que je trouvais un petit peu déroutant sur cette map Grand Utopia, c'est qu'en fait, elle est pas... comment dire? Il y a rien qui coïncide sur cette map. Tu te retrouves sur une île,
déjà sur une île avec des villes françaises. Et c'est surtout que les villes françaises, les villes ne se suivent pas forcément de manière naturelle. C'est-à-dire que tu peux très bien te retrouver avec Mulhouse qui est à côté de Dijon, tu vois. Rien à voir. Rien à voir. Bon, après, c'est un mappeur français qui a fait cette map, hein. Voilà, et il est tout seul sur le projet. Mais voilà, je trouvais ça un petit peu déroutant par rapport à l'ordre des villes, à te dire, ouais, t'es sur une île et tout, alors que... Voilà, c'est pas la France, quoi. Moi, j'aurais bien voulu la même chose, mais sur la carte de la France, avec les petites villes et tout à visiter. Bon, là, je me doute que c'est des années, très certainement des années de travail, tu vois. Tout comme Euro Truck, ça a été des années de travail, hein. Ils, constamment, continuellement, ils améliorent leur jeu. Ils améliorent le contenu, ils sortent des DLC et tout. Pour le moment, j'ai acheté tous les DLC. Alors, les DLC map, hein. J'ai tous les DLC maps sur Euro Truck, les mecs. Je vais peut-être éteindre mes pleins phares. Puis mes phares, pourquoi pas. Voilà. Bon, quoi que je vais les allumer. Vous savez que normalement, c'est obligatoire d'allumer les phares sur un camion. Hein. Que ce soit de nuit ou de jour. Voilà. On va prendre le rond-point bien tranquillement, les mecs. Petit coup de 3. Coup de 4 dans le rond-point. Sur deux roues. Non, ça va. Ça va, ça va. Hep, 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 mon gars. Hep, hep, hep. Alors. Alors. Ah non, mais ça, c'est dingue, par contre. Vous voyez bien quand même que c'est bien fait aussi, hein, de ce point de vue-là. Ah, puis je dis ça, regardez, je lui coupe la route derrière. J'ai fait un accident. Mais non, gros, à la fin. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit, gros. J'ai pas le droit. J'ai fait zéro accident, les mecs, jusqu'à présent. Zéro. Alors, certes, il y a eu un petit peu de déconnade et tout, tu vois, mais... Voilà, il y a eu un petit brin de folie durant cette livraison. Mais il n'y a pas eu d'accident. Voilà, il y en a eu un petit à la fin. Ça va, je touche du bois. Je remercie notre Père divin, notre Père qui est aux cieux. J'ai rien cassé sur le camtar. Bon, juste, je crois que j'ai fait 1% de dégâts la semaine. Enfin, c'est pas non plus... hein. Ça va, hein. Je pense que... Oui, ça va être... quelque part par ici. Alors par contre, j'ai changé un truc dans les options, les mecs. C'est que de toute façon, moi, à chaque fois que je gare une semi, vous savez, il me propose si je veux, si je suis pressé, machin, nanana. Je veux toujours la garer en mode expert. Et du coup, j'ai changé ça dans les options. C'est que maintenant, il me proposera plus si je suis pressé ou quoi. Voilà, je passe en expert directement. Voilà. Et je préfère parce que je kiffe garer les semis, les mecs. C'est vraiment un kiff dans Euro Truck. Voilà, tu vois là par exemple, hop, je joue le routard, les mecs. On est parti en mode expert. Je vais vous montrer ça. Ah, puis c'est le coup que je me foire, tiens. Ah, ça me ferait rire, tiens. Le joueur français aurait-il trop parlé? Non, 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 je vais vous montrer, les mecs. C'est quoi? Que de se garer en mode expert, Jojo le routard. Tout ça, bien sûr, sans montage et sans coupure, pour que la France entière en soit témoin. Ah là 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 là, je me suis un tout petit chouïa mal pris. Je me suis mal pris, les mecs. Ouais, je me suis mal pris, mais ça va. Voilà, du coup, je l'ai pas garé, je la garerai pas en une fois. Mais non! Non, 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 non! C'est de l'autre côté. Voilà, on va pas se la garer en une fois. Mais on va se la garer quand même. Voilà, les mecs! Nickel! Regardez-moi cette mise à quai, quoi! Pff, c'est magnifique! C'est magnifique! Allez, on détaille la semi. Excellent. Voilà, ça va. J'ai fait 1% de dégâts sur la semi. 1%. Il me l'a même pas compté. Il m'a même pas compté mon petit pourcentage de dégâts. Ouais, 1%. Ça va, c'est rien du tout, les mecs. Voilà, nickel. Impeccable. Bon, en tout cas, les mecs, j'espère et sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Ah ouais, quand même, on a fait tout le tour de la Corse. Ok, d'accord. Alors qu'on aurait pu passer là et aller là. Non, on a... Ah bah oui, ah bah c'est normal, j'ai fait éviter les autoroutes dans mon GPS. Voilà, j'ai fait exprès justement pour
pouvoir visiter des petites villes, des petites routes, des petits villages. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le petit like, tout ça, tout ça. Vous pouvez aller voir les vidéos, voilà, ce sera plus dans ce sens-là, hein, voilà. Deux vidéos qui s'affichent, bien sûr. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous, on se dit rendez-vous pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, salut, salut, ciao.